avec Alexandre de Jésus pour évoquer les chances de Galion qui avait été arrêté cet hiver, c'était volontaire. Oui, le cheval a fait une bonne année. Et comme c'est un gros cheval, voilà, on essaie de le préserver et de le faire vieillir au maximum. Donc on l'a arrêté. Et sa rentrée dernièrement ? Excellente. Il n'a pas couru depuis longtemps, ferré. Et il fait une belle ligne droite. J'ai prévu de faire que la ligne droite. Donc, donc très bonne. C'était une rentrée en vue de l'engagement de ce vendredi ? Pour être franc, non. Non, j'aurais préféré qu'il ait encore une et plutôt un grand prix sur l'herbe. Notamment un trophée vert, mais bon, ils sont beaucoup. Mais je trouve que la course de vendredi, c'est pas mal creusé. Donc on se laisse tenter pour vendredi. Et au bout, est-ce que vous avez retrouvé le Galion de la saison dernière? Il avait cartonné. Oui, oui. Et le cheval est très bien. Maintenant, on ne peut pas dire encore qu'il est à 100% parce qu'il a besoin encore de compétition. Mais sur ce qu'il nous fait voir le matin, je pense que sa place est dans les trois premiers quand même. Oui, cinquième dernièrement pour sa rentrée, là il sera en mode compétition. Ah oui, il sera déféré, il aura les artifices, donc même en étant à 80%, je serais déçu de ne pas faire l'arrivée.